Hey, salut tout le monde! Bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un format spécial qu'on n'a jamais fait. On teste. Alors Raphaël, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on a remarqué en fait que j'avais une oreille absolument dégueulasse. Et donc on a décidé de se tester chacun sur des musiques de films et séries et dessins animés qu'on adore. Et c'est parti pour la vidéo! Let's go! Le premier à jouer, c'est Raphaël, donc vas-y, fais-moi écouter ta musique. Alors il faut savoir qu'on va le faire en trois étapes. Je vais d'abord le jouer à la flûte, enfin si on peut appeler ça jouer bien entendu. Si Adri ne trouve toujours pas malgré la superbe mélodie qui se dégagera de la flûte, je le siffloterai et puis enfin je finirai par le chantonner s'il ne trouve toujours pas. En sachant que si vraiment il n'a aucune idée, je lui donnerai des petits indices pour l'aiguiller. En fait, ce qui me tue, c'est que tu cherches quand même des notes comme s'il y avait quelque chose que tu reconnais. Si jamais vous ne l'aviez pas compris, je ne sais pas jouer de cet instrument. Moi non plus. Pour le moment, j'ai ça. Je ne sais même pas si ça ressemble à ce que je veux te faire deviner. Ok, donne-moi un indice. Un indice, alors l'indice, c'est éclair. Superman ? Non. Ah, dommage. Monsieur Finkielkraut ? Je vais répondre. Même sans l'instrument, c'est horrible. J'ai ça pour le moment. Ouais, ça ressemble même pas à l'original, okay. Donc ça complique la chose. Un autre indice, ouais. Chouette. Mais c'est vraiment pas ça, c'est... Donc on était sur Harry Potter, waouh. Et vous aussi vous jouez avec nous, hein. Donc si vous le reconnaissez avant nous, mettez-le en commentaire avec le timecode en mode ça y est, je l'ai reconnu, je sais ce que c'est. À mon avis, vous ne l'avez pas reconnu non plus. Impossible, c'est mission impossible, mais sans Tom Cruise. Oui, là on n'était pas sur cette musique là. Allez, c'est parti pour la suite. Attends, là, il y a eu un abandon. Là. Juste refais-le un tout petit peu. Est-ce que ta danse donne un indice? Non, mais en fait, j'ai l'impression que le micro va commencer à danser. Comme ok, ça. Ok, ok. T'essayes de me faire à la danse ou... Moi, j'ai pas été touchée. Voilà, je peux rien dire de plus que ça. Un indice italien. Non. Famille. Oui, mais j'ai envie de dire le parrain, mais c'est pas du tout le parrain. C'est le parrain. Attends, refais-nous là le parrain pour toi. On dirait une chanson de Michel Sardou. Oh mon dieu, ouais non ça va. Jamais de la vie, jamais frérot. Fais-le moi alors. C'est exactement ce que j'ai fait. Wow, si vous avez reconnu ça, mais vous êtes des giga champions. Et celui qui nous met tous les timecodes avec tout et qui l'a tout trouvé, mais on lui offre un cadeau. Hein. Franchement, on le contacte en commentaire et on lui offre un cadeau. Non, pas la flûte ça, moi. Là, il y a déjà plus un air que d'habitude. En fait, il faut pas que j'essaie de faire des notes. Non, il faut que tu donnes un rythme, en fait. On dirait une vieille locomotive à l'agonie. J'ai ça. Mais dis pas que t'essayes de faire Rocky. Non, Adrienne, c'est pas Rocky. Bon, un indice, tu vas me le siffler. Indice. J'espère qu'en le sifflant, ça va aller. Côte de Maille. Attends, les visiteurs. Imperare, imperare, ameno. Pour ta défense, c'était très compliqué, même en le sifflant. J'ai l'impression d'être un ménestrel. Waouh. Eh ben, je pense que le roi aurait vite fait de décapiter ce ménestrel. Waouh. Ouais, 0 sur 3. 0 sur 3, mais en même temps, l'artiste est... Waouh. Ah.
Je l'ai. C'est bon, Captain Planet. Oh boum. À la flûte en plus, sans indice. Là, tu sais pourquoi je l'ai? Je l'ai dans ma liste aussi, j'en jouerai un autre. Mais j'ai tout de suite reconnu cette douleur de la musique de Captain Planet. C'est vrai que j'ai rematé le générique pour l'occasion et... Et pourtant, ça a bercé mon enfance. Moi aussi. Tu sais qu'il y avait des épisodes spéciaux. Ça parlait parfois de la drogue, du sexe, du VIH, etc. Juste pour avoir un peu pour la culture des enfants, quoi. Ah, et moi, la prévention. Moi, je me souviens que le feu, la terre. Ah, je me souviens plus. Le sida. Oui, non. L'héroïne. Tous ensemble. Allez, les mains en l'air là sur YouTube. Et on fait tourner les serviettes. Je peux te demander si c'est un dessin animé ou un film. C'est un dessin animé. Ah, mais si, c'est bon, je l'ai. C'est Tortue Ninja. Tortue Ninja Kawabunga. Teenage Mutant Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle. Ouais, bien joué. Celui-là, tu l'avais. Tu vois, tu dois juste te concentrer sur le rythme, pas aller chercher des notes que tu n'as pas. Je vais essayer de le jouer à la note. C'est dommage qu'on n'ait pas deux cams, parce que si vous voyez sur le côté, en fait, ses doigts pressent même pas les trous. Donc, il n'y a pas de note en soi. Je vous préviens tout de suite, à la flûte, je risque d'être aussi catastrophique que Raph. Au flûte. Ainsi danse Jean Petit. Indice. Je vais plus te dire, c'est un dessin animé. Inspecteur Gadget. Oh là là, Gogo Gadgetoku. Tout à fait. Inspecteur Gadget. Gogo Gadgetoku. Un point. Et un point. Allez, c'est parti pour la suite. Tindin, James Bond. Ouais. Je sais pas si je dois fermer mes yeux pour me concentrer ou pas, pour bloquer un sens. J'en sais rien, mais en tout cas, je reste... 2.1, j'étais nul, moi, alors, petit enfant de la DAS, là. Dites-nous en commentaire qui est nul. Est-ce que moi, je suis très bon en interprétation ou en fait... voilà, ou Raph est très doué pour reconnaître. Tapez 1 pour voter Raph. Là, la flûte Carnage. Carnage, Venom, There Will Be Carnage. Aucune idée. On est encore sur un dessin animé. Titeuf, Kid Paddle, Digimon, Pokémon, Cyril Hanouna. Non. Aïe. Un autre indice, ça se passe sous l'océan. Ah, la petite sirène. Non. Bob l'éponge. Mais oui, Bob l'éponge carré. J'ai 3 points. Qui vit dans un ananas dans le fond de la mer. Bob l'éponge carré. Qui compte bien y faire carrière. Bob l'éponge carré. Crâne luisant. C'est quoi qu'il dit? Quoi? Crâne luisant. Le roi. C'est pas ça. C'est hop et puis chauve. Vous êtes chauve. Intersidéral. Fleur. Ouais. Pocahontas. Non. Fleur. American Beauty. Il y a des musiciens en commentaire qui peuvent me confirmer qu'ils font n'importe quoi. Je suis sûr et certain, mais ça m'aidait à me guider. Mais moi, ça m'a perturbé, donc je n'ai pas d'idée. C'est toujours un dessin animé aussi. Rick et Morty. Non. Faut chantonner. Tu dois l'avoir, c'est ta génération en plus. Dragon Ball. Non. Mmh.
C'est l'hormone. Maya l'abeille. Maya, c'est pas ma génération, j'ai 108 ans. Ça va. Même moi, j'ai connu ça en étant jeune. Tu vas pas me dire que tu ne connais pas. Moi, c'était Dragon Ball et la violence. Maya. Bon, bah, désolé. Si vous, vous l'avez reconnu, dites-le nous. Hein. Dumbo. Les 12 coups de midi. Tout le monde prend sa place. Je suis encore fort resté dans les dessins animés. C'est encore un dessin animé. Qu'est-ce que je peux dire, monstre ? Famille Adams. Non. Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous. C'est pas ça. Hey, c'est ça. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Boum, boum, boum. Je gagnerai tous les combats. C'est pas ça. Oh non, il est en train de massacrer le. Et Pokémon, oui, c'est ça. Bon, c'était une bonne interprétation, apparemment. Très bonne interprétation. Très bonne interprétation. Ben voilà, dites-nous un peu, vous, ce que vous avez pensé de la vidéo. On aimerait bien refaire une vidéo comme ça, mais avec plus d'instruments pour avoir un peu plus de diversité. Si la vidéo vous plaît, ben, likez-la, abonnez-vous, commentez, partagez-la à vos amis, faites tout ce que vous voulez. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, parce qu'on a du mal pour le moment financièrement, ben on a dans la description un lien vers notre page Tipeee pour nous soutenir et nous aider à développer la chaîne. Si vous aviez déjà pitié de moi parce que je suis chauve, j'ai les dents écartées et que maintenant vous comprenez que j'ai une oreille absolument dégueulasse, s'il vous plaît, faites un don sur Tipeee. Allez-y. On vous dit à bientôt sur la chaîne des Boredom Busters. Ciao tout le monde. Ciao.